Nana, félicitations à la victoire contre la Tunisie. Merci, merci. Qu'est-ce que vous dites après cette long match? Ben, on est satisfait parce que voilà, c'était notre premier match. On joue à domicile, il y avait un peu de pression. Mais grâce au soutien du public, l'enthousiasme et tout, on réussit à surmonter et gagner ce match. Ben, on est content. Maintenant, il faut essayer de se remobiliser parce que voilà, physiquement, on a pris un peu cher. Donc, on va essayer de se reposer. On ne joue pas demain. On va essayer de vraiment se reposer pour attaquer ce deuxième match qui sera encore un match très, très difficile à jouer. Après le premier, deuxième set, qu'est-ce qu'il y a? Comme j'ai dit, voilà, on a un peu baissé le régime. Baisser le régime, peut-être physiquement, voilà, on n'a pas tenu. Et derrière, les Tunisiennes, elles ont été plus agressives. Elles ont vraiment, vraiment joué leur jeu. Donc, voilà, elles gagnent le troisième, elles gagnent le quatrième. Ce qui nous remet dedans, c'est cette fin de quatrième set où, voilà, on est mené de pas mal et qu'on réussit à revenir au score. Et malgré ça, même comme on perd, eh bien, ça nous relance sur le cinquième set. Donc, c'est grâce à la fin de ce quatrième set qu'on réussit à surmonter le troisième et prendre ce cinquième set qui était vraiment, vraiment capital pour nous. Qui est le meilleur joueur à la Tunisie aujourd'hui, à votre avis? Je ne sais pas. On se concentre sur nous. On ne sait pas ce qui se passe en face. Je pense que les statisticiens sont mieux placés pour répondre à cette question. Merci. Merci. Félicitations. Merci. Au revoir.